En fait, sur les événements de la dernière semaine, des derniers jours, vous avez probablement tous vu la publication Facebook que j'ai faite hier soir, dans laquelle je réitère que dès le départ, j'ai reconnu avoir eu donc ces contraventions, reconnu également que c'était un geste qui était répréhensible, que c'était une erreur, que c'est un manque de jugement. Donc, je le réitère et réitérer également les excuses également que j'ai faites. C'est un comportement qu'on ne devrait pas s'attendre de personne, c'est sûr et certain. Ça se reproduira pas, vous pouvez en être certain également. Je me suis excusé aussi à la mairesse de Montréal, je me suis excusé aux membres du comité exécutif. La mairesse m'a réitéré sa confiance pour assurer donc à la fois mes tâches de maire, à la fois les tâches donc également de président du comité exécutif. Pour moi, c'est important et pour notre administration, de continuer d'implanter les mesures Vision Zéro, de conserver en fait le cap, les yeux rivés sur notre objectif de travail qu'on veut faire pour améliorer les conditions de vie, les conditions de travail, de loisirs, etc., donc à la ville de Montréal. Je réitère effectivement que j'aurais pas dû faire quelque chose comme ça et que je m'en excuse.